Ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est son odeur. C'est l'odeur de la sellerie, évidemment, mais c'est l'odeur aussi de la mécanique. Moi, petit, je m'en rendais pas compte que cette voiture-là, elle allait nous marquer à vie. Je m'appelle Frédéric Audier, je suis artisan sellier garnisseur et je suis passionné par les Renault 4 depuis ma tendre enfance. C'est une voiture qui m'a toujours plu de par sa simplicité, son côté pratique, son côté utilitaire, peu importe la version. C'est une voiture économique, ludique, intemporelle, moderne et à la fois rétro. Donc cette passion pour cette voiture a commencé tout petit. Je m'amusais à la mettre en route, à ouvrir le capot. Je montais dedans, j'ouvrais le coffre, je la regardais de fond en comble, je la détaillais. Enfin voilà, c'était mes premiers plaisirs en Renault 4. Cette voiture, elle était bien faite pour l'époque parce qu'elle proposait des sièges démontables assez facilement. C'était juste emboîté, juste un boulon papillon. Et on pouvait les sortir pour pique-niquer dehors. Le métier de sellier est venu comme une évidence chez moi parce que c'était le métier de mon grand-père. Et puis j'adorais confectionner, construire, fabriquer des choses. Donc ce métier-là m'a plu tout de suite. C'est souvent qu'on m'amène des sièges hors d'usage, très abîmés, et donc je les rénove de A à Z. Je passe du temps, beaucoup de temps, à chercher des tissus pour pouvoir réaliser des selleries d'époque avec le tissu d'époque. C'est toujours une fierté de présenter certains tissus que d'autres n'ont pas. Ça va faire une voiture de plus qui va rouler en bon état avec une belle sellerie faite par mes soins. On y met un peu d'amour, on essaye de faire au mieux. J'y mets la passion, mais je fais aussi comme si c'était pour moi. Le temps passe tellement vite. D'entretenir toutes ces voitures-là, c'est quelque chose de formidable. Ça permet de conserver, de transmettre. Ça permet de se rassurer et ça permet, oui, voilà, de ralentir les choses, ralentir le temps.